Dans l'actualité de ce 19 septembre, l'axe Gungin-Fada frontière du Niger, long de 218 km actuellement en état de dégradation avancée, fera bientôt peau neuve dans 30 mois, précise le Premier ministre Christophe Dabiré, qui a officiellement lancé les travaux de bitumage de cette route ce matin. À suivre également la une, les explications du comité du Free Covid-19 sur les modalités d'octroi de crédit aux entreprises privées burkinabè les plus affectées par la maladie à coronavirus, un fonds de 100 milliards de francs CFA pour la relance économique au Burkina. À l'international, le Royaume-Uni face au regain de la maladie à coronavirus, 27 morts et plus de 4300 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures. Tout rassemblement de plus de 6 personnes est interdit dans le pays. Voilà pour le sommaire de ces 13 heures, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Ouvrons ce journal sur l'axe Gungin-Fada frontière du Niger. La circulation n'est pas du tout aisée sur cette route très dégradée pour ceux qui l'empruntent. Longue de 218 km, elle sera réhabilitée à plus de 125 milliards de francs CFA. Le gouvernement y contribue à 13,83% pour un délai d'exécution de 30 mois. Le Premier ministre a officiellement lancé les travaux ce samedi. Nos reporters sont sur place. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions. Mais avant donc l'étape de Fada, le chef du gouvernement était à Tenkodogo, le développement par une éducation et un enseignement de qualité. Chaque région sera dotée d'une école de formation performante, une promesse du gouvernement en voie de concrétisation. Hier, le Premier ministre a inauguré l'ENEP de Tenkodogo, désormais appelé Direction régionale de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation. Plus de 3 milliards de francs CFA injectés pour la réalisation de ce joyau. Hassan Guebré, Tanga, Robert Kafando. Le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré inaugure l'École nationale des enseignants de Tenkodogo. Bâti sur une superficie de 47 hectares, l'établissement comprend un bloc administratif de 12 bureaux, un amphithéâtre de 500 places, des dortoirs et des logements administratifs. Financé à plus de 3 milliards de francs CFA avec le soutien de la Banque islamique de développement, le joyau traduit la volonté du gouvernement à œuvrer pour un enseignement de qualité au Burkina Faso. Le gouvernement, en mettant l'éducation au centre de ses priorités, est convaincu qu'une nation ne vaut que par la qualité de ses hommes. En effet, c'est l'éducation qui façonne des hommes de qualité, dont l'imagination et la créativité transforment le monde. C'est pourquoi Son Excellence, M. Roch Marc-Christian Kabore, nourrit pour notre pays l'ambition d'une école nouvelle. Le 5 septembre dernier, le président du Faso a magnifié l'excellence à l'école en recevant les 103 élèves qui étaient considérés comme étant les étoiles de notre système éducatif. Mais ces 103 élèves, c'est le résultat d'une éducation réussie. Parce que nous avons mis à la disposition de notre système éducatif des professeurs, des enseignants qui ont été capables de conduire ces enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des stars. Notre volonté aujourd'hui, c'est d'avancer dans ce domaine-là. Que l'année prochaine, ce ne soit pas simplement 103 étoiles, mais qu'on en ait davantage. Mais pour y arriver, il faut que l'on continue à former les formateurs, ceux qui doivent porter l'enseignement et la connaissance à destination de ces différents enfants. Voilà la symbolique aujourd'hui de cette inauguration. Pour pouvoir y arriver, il faut qu'il y ait des infrastructures de qualité, des infrastructures qui soient équipées, qui permettent à ceux qui vont être recrutés pour être des enseignants, qu'ils soient dans les conditions pour pouvoir réussir leur formation. Ouverte en 2017, l'ENEP de Tenkodogo a déjà formé 1123 enseignants. Elle est désormais appelée Direction régionale de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation du Centre-Est. On reste sur place dans le Zungrantenga, le chef du gouvernement face aux forces vives du Centre-Est pour des échanges directs. Les préoccupations de la région lui ont été expliquées avec l'espoir d'y remédier. Hassan Guebré et Tanga Kafando pour le compte-rendu. Ces échanges directs avec les forces vives de la région du Centre-Est ont permis au Premier ministre et les membres du gouvernement qui l'accompagnent
de recueillir les préoccupations des populations de la région, mais aussi d'expliquer ce qui est fait par le gouvernement dans les différents secteurs d'activité. Ce sont les problèmes d'infrastructure, ce sont les problèmes de santé, ce sont les problèmes d'éducation. Et nous avons l'avantage d'avoir procédé aujourd'hui à l'inauguration d'un tronçon de route qui concerne la région du Centre-Est. Et nous venons d'inaugurer l'ENEP qui concerne également la région du Centre-Est et qui relève de l'éducation. Cela veut dire que les populations ont conscience que des efforts sont faits pour apporter des réponses appropriées à leurs préoccupations de développement. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, le développement étant un processus dynamique, il faut toujours travailler à apporter de la terre à la terre pour que la termitière puisse vivre. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement continue de travailler d'arrache-pied pour apporter de nouvelles réalisations qui vont consolider les acquis des trois et des quatre dernières années du mandat du président de FASO. Donc, aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Les forces vives de la région du Centre-Est nous ont dit que c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. C'est très intéressant, ça nous permet de donner notre lecture de la vie et des actions du gouvernement, surtout au niveau donc, de notre région. Ce qui va, on applaudit. Ce qui ne va pas, on leur dit aussi pour qu'ils puissent aussi rectifier le tir. Et ça a été donc une bonne occasion pour les uns de reconnaître les gros efforts fournis par le gouvernement en dépit d'un contexte très difficile de terrorisme et de Covid. Le chef du gouvernement a également insisté sur la participation de tous à l'œuvre du développement, tout en félicitant les participants à la rencontre pour avoir respecté les mesures barrières dans un contexte de rebond de la maladie à coronavirus. L'ONU plus proche des citoyens, et bien après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, Dilasso, l'Office national d'identification vient également de prendre ses quartiers à Fadangourma. Inauguré hier, l'antenne régionale de l'Est de l'ONU a une capacité de production de 1000 CNB par jour. Retrouvons sur place nos reporters Presley Kemtore et Ibrahim Sano. L'Office national d'identification ONU ouvre ses portes dans la région de l'Est. Pour les premiers responsables de l'ONU, cette action s'inscrit dans la politique de déconcentration progressive. Et le choix de la région de l'Est se justifie par les critères de la distance et de la taille de la population. Nous avons 374 points de production, de collecte sur l'ensemble du territoire national, mais nous n'avons que deux centres de production, ce qui est vraiment handicapant. Et l'empressement des populations à avoir la carte d'identité, le contexte sécuritaire et le contexte politique ne favorisent pas une satisfaction optimale des populations. C'est pourquoi l'étude a révélé qu'il fallait utiliser deux critères importants, notamment l'éloignement, qu'il faut pondérer avec la taille de la population. Et dans les jours à venir, nous allons poursuivre avec le centre de production de Kaya, de Wayuya, de Dedougou et de Gawa, toujours dans le but de rapprocher la production des populations. Cette antenne régionale a une capacité de production de 1000 cartes nationales d'identité par jour. Et 20 agents sont déjà déployés sur ces sites. D'abord, nous remercions vraiment l'ONU pour cette initiative parce que nous sommes quand même la région la plus vaste du Burkina Faso et les populations sont en majorité agricoles et éleveurs. Et aujourd'hui, il est bon que chacun d'entre nous puisse montrer une pièce qui justifie de son identité. L'implication du maire de Fadangourma pour l'implantation de ce centre est ici reconnue à travers une distinction. Pour les populations, c'est une aubaine. Les longs délais pour obtenir une CNIB relèvent désormais du passé, foi de Aristide Béré. L'aménagement du territoire est un enjeu de développement pour la région du centre. Élus locaux, autorités administratives, partenaires techniques et financiers se sont joints aux membres de la Commission régionale d'aménagement et du développement durable du territoire du centre pour un atelier de validation des rapports provisoires de la prospective, ce qui donne lieu à un examen minutieux de la charte sur l'aménagement du territoire burkinabé. Explication de Issa Kafando et Maria Matamboura. Voici le chemin d'aménagement du territoire de la région du centre.
une vision de développement à l'horizon 2040 qui fait de la région de Bassa pour sur le Carrefour en Afrique de l'Ouest un cadre intégrateur, durable et communautaire. L'ambition est grande, mais pas plus grande que les défis de l'heure, selon les autorités régionales du centre. Notre région, à l'instar des autres régions, connaît cette pression foncière, la mobilité urbaine, le problème de logement, ce qui fait que aujourd'hui, jusqu'à l'horizon 2040, la région du centre va enfin disposer d'une feuille de route qui permettra que nous connaissions un développement inclusif. Cet atelier de validation marque la fin d'un processus qui a duré 6 mois. Et la région du centre est le tout premier chemin disponible. Le document va permettre aux différents acteurs, que sont les partenaires techniques et financiers, les ONG et les acteurs des différentes collectivités, j'allais dire conseil régional, mairie, de pouvoir savoir là où on doit aller et qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Nous avons le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, le SNADT 2040 qui a été adopté en janvier 2017. Et après l'adoption de ce schéma, il était de bon ton qu'on puisse adopter les schémas régionaux. Les schémas régionaux de l'aménagement et du développement durable du territoire visent à rendre les régions plus résilientes. Cette première phase concerne les régions du centre, de l'est et du Sahel. Une nuit dédiée aux femmes battantes, 28 associations féminines étaient en compétition pour le prix Baramoussou organisé par Onatel SA. Trois associations ont donc été retenues par le jury. La marraine Sika Kabouré, épouse du chef de l'État, a assisté hier nuit à la remise de ses prix. Le palmarès complet avec Nongba Kouda et Maria Matamboura. Le premier prix Baramoussou 2020 est décerné à la Fédération pour l'épanouissement des femmes et d'aide à l'enfance, FESAE, de Bobo-Dioulassé. Et c'est elle, la présidente de l'association lauréate de cette édition, la Baramoussou 2020. Un trophée qui récompense les associations féminines qui travaillent pour leur autonomisation économique. Cette sixième édition est un pari gagné pour les organisateurs. Les six associations, on va dire lauréates, plus d'autres, puisqu'il y a trois associations aujourd'hui. Les années passées, c'était 5 associations par édition. Aucune association ne nous a déçus, parce que nous les accompagnons pratiquement toute l'année dans la réalisation de leur objectif. Motif de satisfaction aussi pour la marraine de l'édition 2020, Sika Kabouré, épouse du chef de l'État. Ces trophées Baramoussou sont une manière de promouvoir l'excellence au sein des associations féminines. Et en tant que marraine, je me réjouis des efforts que vous consentez dans le cadre de vos actions citoyennes pour l'autonomisation économique de la femme et la réduction des inégalités sociales à travers la promotion de la femme comme actrice de développement. L'association lauréate voit en ce prix une invite à redoubler d'efforts pour plus de résultats. La prochaine étape, ça sera vraiment beaucoup de renforcement parce que nous sommes vraiment dans la transformation et beaucoup de matériel quand même qui ne sont pas adéquats, qui manque quand même de matériel pour la production. L'innovation pour cette édition est que le prix Baramoussou double et l'association lauréate repart avec un chèque de 10 millions de francs CFA, une attestation et le trophée. Je le disais en début de journal, 100 milliards de francs CFA pour aider les entreprises burkinabées éprouvées par la maladie à coronavirus. Free COVID-19, le comité chargé de la gestion du fonds, a tenu à expliquer aux opérateurs économiques les modalités d'octroi de ce crédit qui se veut un accompagnement financier au secteur privé sur la période 2020-2021 pour la relance économique du pays. Adama Guiti, Vincent Kenderbiogo.
100 milliards de francs CFA, c'est le montant que mise le gouvernement pour soutenir la résilience de l'économie et favoriser la relance des entreprises. Ce soutien se traduit à travers le fonds de relance économique. Les interventions de ce fonds se feront sous forme de crédit, de trésorerie ou d'investissement en partenariat avec des établissements de crédit à partir de trois guichets. Le guichet grande entreprise, le guichet petite et moyenne entreprise et le guichet très petite entreprise. Le guichet grande entreprise a reçu une allocation de 30 milliards, les petites guichets petite et moyenne entreprise 40 milliards et les très petites entreprises reçoivent bien sûr le reste, les 30 milliards qui ont été répartis de manière à ce que chaque fonds puisse recevoir un financement. Il s'agit de subventions pour leur permettre de mettre en place un système de revolving, va permettre de poursuivre, donc d'accroître leur capacité à continuer à prendre en charge les clients. Dans le cadre de cette convention, les financements seront octroyés aux entreprises suivant des conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires et de la situation de l'entreprise. Les bénéficiaires du fonds, c'est ceux dont les entreprises qui existaient au moment de la survenue de la pandémie et dont l'activité a été fortement impactée. Également, les entreprises nouvelles qui vont intervenir pour contribuer à la relance de l'économie et en lien avec la survenue de la pandémie sont concernés. Les financements seront accordés aux clients sous forme de prêts remboursables au taux annuel de 3,5% hors taxes, avec une possibilité de différer le paiement de 6 mois pour prendre en compte l'éventuelle période timide des reprises des activités. La pandémie de la maladie à coronavirus au Burkina, c'est un chiffre, plus de 47 000 familles impactées, dont environ 30 000 familles vulnérables. C'est aux personnes nécessiteuses que Compassion Internationale tend la main avec des vivres, une dotation d'intrants agricoles à plus de 2300 ménages et des bons pour la relance de leur activité. Le cérémonial de remise du don en images avec Jean-Eudes Bayala et Issia Kanana. Des vivres, des fonds pour des activités rémunératrices de revenus, des intrants agricoles pour la relance des activités. Le tout estimé à plus d'1,4 milliard de francs CFA. Compassion Internationale et ses églises partenaires viennent ainsi renforcer la résilience de plus de 47 000 familles vulnérables impactées par la pandémie du Covid-19. Le besoin a été identifié. Donc en fonction des familles, il y a des familles qui mènent des activités agricoles, donc ces familles auront des intrants pour pouvoir relancer leurs activités. Il y a des familles qui font du petit commerce, des petites activités génératrices de revenus, c'est ces familles qui auront donc les fonds pour pouvoir donc soit relancer leur activité ou redynamiser leur activité. Mais toutes ces familles seront bénéficiaires de l'apport en vivre. Nous sommes vraiment dans une situation difficile présentement à cause du Covid-19. Beaucoup d'activités sont arrêtées, rien ne marche présentement. Donc vraiment ce matin, c'est une joie pour nous de recevoir cela. Ça va nous aider à pouvoir vraiment nous tenir, parce que ce n'est pas simple dans ces derniers temps-là. Un geste salué par le département en charge de la solidarité nationale, une action qui, selon le représentant du ministre, vient renforcer les efforts conjoints du gouvernement et ses partenaires pour assurer la sécurité alimentaire à ces personnes vulnérables. Depuis la mise en œuvre de ce programme de compassion internationale, ce sont plus de 113 500 ménages qui sont bénéficiaires de cette aide. Ainsi, depuis l'apparition du Covid-19 au Burkina, la contribution de compassion internationale dans cette lutte, aussi bien au niveau des familles vulnérables que des pouvoirs publics, se chiffre à plus de 3,2 milliards de francs CFA. Dans la rubrique culture de ce samedi, mon confrère Amadou Marcel Tau se joint à moi pour accueillir une autre icône de la musique burkinabé, Seydou Kwanda ou le Zaksoba. Marcel. Bonjour. Effectivement, Seydou Kwanda pour certains et Zaksoba pour d'autres. L'artiste a marqué et bercé toute une génération de 1985 à 2005, officier de police à la retraite aujourd'hui, 39 ans de service. On l'a connu à l'orchestre de la police nationale avant son album Zaksoba. Découvrons l'artiste dans cet élément. Nerfara wa furuka.
Seydou Kwanda, vedette de la musique burkinabé des années 90. Il aura marqué les esprits des mélomanes avec son album à succès Zaxoba de son nom d'artiste. Des titres de renom comme Zaki, Enzolo ou encore Je me rappelle très bien quand on était très petit, on rêvait d'être comme lui. Parce que c'est celui-là qui est venu avec un style vraiment très différent des autres qu'on a dansé, on a écouté. Parce que il y a eu le feat avec le général Defao, vraiment qui nous a fait vibrer étant petit. Vraiment c'était du balèze. Bon, je ne connais pas trop ces titres, mais je connais beaucoup ces chansons. Je sais qu'il aborde beaucoup les problèmes familiaux, c'est-à-dire les problèmes de foyer. Officier de police de fonction, en plus de la maîtrise de la langue mori, c'est dans l'orchestre de la police nationale que le policier musicien fait ses armes dans les années 85. Cet orchestre m'a apporté beaucoup. Ça fait que j'ai aimé le live plutôt que le playback. J'ai du mal à le faire. Et ils m'ont appris à chanter juste. Ils m'ont appris l'humilité. Zaxoba et l'orchestre de la police nationale, c'est toute une histoire jalonnée de bons souvenirs. On a fait pratiquement toutes les villes du Burkina Faso. Il n'y avait pas un seul week-end où on ne jouait pas en province. Il était difficile même d'avoir l'orchestre pour jouer à Ouagadougou. Il y a des gens qui demandaient l'orchestre un mois, deux mois avant. Kwanda Seydou, pour moi, est l'un des grands musiciens du Burkina. Parce que, en même temps, il est policier, mais en même temps, ça ne l'a pas empêché de continuer sa passion, c'est-à-dire la musique. Bon, moi j'ai seulement un petit problème avec lui, parce qu'il a disparu de la scène, c'est tout. Il y en a même qui disent que Kwanda Seydou, qu'il ne chante plus, on ne l'attend plus. Mais Kwanda est revenu en puissance. Kwanda est revenu en puissance avec ce nouveau album. Voilà, actuellement, nous-mêmes, il y a moi, Jean Baron, il y a Maréchal Bidoul, il y a Général Milfas qui est en train de répéter ces morceaux pour son tout dernier clip. Dans quelques jours. Malgré ses 7 albums à son actif, l'artiste a complètement ou presque disparu des scènes au grand désarroi de ses fans qui espèrent tout de même son grand retour. Voilà, nous avons retrouvé l'artiste. Il est même avec nous sur ce plateau. Seydou Kwanda, bienvenue. Bonjour. Votre dernier spectacle remonte à 2003. Zaxoba, il faut le dire, vous avez disparu des scènes. Expliquez-nous cela. Oh, en fait, de disparition, tout d'abord, je vais dire bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. En fait, de disparition, il n'en est pas. Parce que vous savez que moi, j'ai été policier et ça m'a pris beaucoup de temps à revoir mon public, parce que l'orchestre a connu entre-temps des problèmes, si bien que c'était vraiment la traversée du désert. Nous avons essayé de le relever, c'était un peu difficile, jusqu'à ce que je parte en retraite, on n'a pas pu mettre l'orchestre sur pied. Alors étant à la retraite également, ce n'est pas facile, le monde du showbiz est un peu difficile. Présentement je suis à la retraite, donc bon, je suis plutôt versé dans le social. Donc c'est les difficultés qui font que vous nous avez quitté. Pas des difficultés en tant que telles. Bon, mais je me tiens un peu en retrait du showbiz parce qu'il y a comporte trop de problèmes.
Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images, sinon revivre certains moments de votre carrière? Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Je revois ça comme un souvenir qui ne doit pas disparaître. Moi, j'ai gardé quelques clips avec moi que je revisionne. Mais il y a toujours le soutien de ceux-là qui n'ont pas oublié Zarksova. Il y en a qui m'appellent très souvent. Ceux-là qui veulent l'entourage, il y en a qui ont mon numéro de téléphone, ils m'appellent. Je sors, mais pas fréquemment. Et si bien que les gens disent que bon, on a disparu. Bon. Et pour les gens, c'est quand tu fais le live, c'est quand tu te produis énormément qu'on dit que tu es là. On peut ne pas être là, on peut être là, mais discrètement, on travaille. Je peux dire que tous les 5 ans, moi, je produis un album. Mais par manque de soutien, ça passe inaperçu. Ces derniers temps même, j'ai produit un album avec le soutien de généreuses personnes. Mais j'attends de concrétiser le clip pour que au moins ça fasse jour. Sinon, c'est difficile. Il ne suffit pas seulement de produire un album. Il faut aussi mettre un peu de promotion. Sinon, la visibilité est nulle. D'accord. On l'a suivi, on a revisité votre répertoire tout à l'heure dans le reportage. À l'époque, les featuring se faisaient un peu rares. Vous avez réussi à faire un featuring avec le général Defao. Oui. Comment cette rencontre est arrivée? Bon, je peux dire que c'est par le biais de Japress. Et vous savez que après la mort de Black Soman, les Ivoiriens ont voulu retrouver quelqu'un. Ont voulu encore retrouver quelqu'un qui pourrait faire leur affaire. Vous savez que le showbiz à Abidjan, en Côte d'Ivoire généralement, c'est il y a des gourous de la musique là-bas. Je nommerai Claude Bassolet, Yves Jogbo Junior, Yves Dembella, et il y avait déjà presse ici. Alors après ce drame-là, ils ont voulu retrouver quelqu'un pour remplacer, enfin, poursuivre l'œuvre de Black Soman. Bon, je me dis que j'ai eu de la chance, mais quelque part, il y a du mérite aussi dans ce que j'ai fait. Parce que j'avais produit des albums qui avaient été acceptés par les mélomanes. Alors, c'est sur cette base-là qu'ils sont venus me chercher. Et arrivé là-bas, on a trouvé que des fois, on était sur place. Et ma musique, quelque part, rejoignait ce que le Big Star et des fois, faisaient. Si bien qu'ils n'ont pas eu du mal à reprendre mes morceaux. Je peux dire qu'ils ont gardé la base, c'est-à-dire l'accompagnement, mais ils ont ajouté un peu de leur touche. C'est ce qui a amené la production de cette cassette. Alors, c'est plutôt réussi, mais on va vous demander quelque chose. Qu'est-ce que la musique vous a apporté? Musicalement, c'est difficile. C'est difficile. En notre temps, c'était vraiment difficile. Vous signez, il n'y a pas de contrat. Quand vous produisez avec quelqu'un, il n'y a pas de contrat. Hein. Il ne vous donne rien. Vous rentrez, vous jouez en studio et vous attendez les royalties au niveau du BBDA. Il n'y a pas de contrat en tant que tel. Pour vous filer une anecdote, moi j'ai produit une fois avec quelqu'un. Enfin, ce n'était pas des producteurs, c'était des commerçants. J'ai produit avec ce monsieur-là et c'était à 50 000 francs. Il m'a payé 25 000 francs quand j'entrais en studio. Et il a attendu 3 ans pour me reverser mes derniers sous. Et là aussi, c'est quand il voulait me produire, hein, il voulait que je reproduise une autre cassette. Mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Donc bon, pour vous dire franchement, la musique, sur le plan de la production, c'est pratiquement pas ça. Je ne vous parle pas de l'orchestre de la police, parce que là, nous sommes d'abord assujettis à une institution. Donc, quand elle commande, nous, on s'aligne. Et on a commencé du temps de la Révolution, et là, on joue pour le peuple. Il n'y avait rien. Hein. Au niveau de l'orchestre de la police, on joue pour la police. Nous avons fait la musique parce que nous aimions la musique. Quand j'ai commencé à produire sur le... Vraiment, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. On voit... vous avez d'ailleurs inspiré beaucoup d'hommes de Télim, comme on a l'habitude de le dire. Et aujourd'hui, on a des policiers, des militaires... qui intervient beaucoup dans la musique. Les choses ont évolué quand même. Oui, bon, à leur niveau, moi,
Je ne peux rien dire puisque je ne suis pas au parfum des nouvelles, mais au niveau de l'orchestre, la police, effectivement, on essaie de... l'instance supérieure essaie de relever l'orchestre, mais j'avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que d'abord, au niveau des éléments, il faut du travail derrière. Il faut du travail et pour mettre un orchestre en place, ce n'est pas facile. Il faut d'abord regrouper les instrumentistes et vous savez qu'actuellement, beaucoup n'aiment pas les instruments. Ils préfèrent plutôt chanter. Et là, ce n'est pas facile. C'est lui qu'on a policier, musicien et par ailleurs musain. C'est l'autre information qu'il faut dire. Que devient Zach Soba? Musain, ça date. Hein. Ça date parce que Dieu m'a aidé. Quand j'étais au CM2, j'ai fini le courant. Et j'ai fait l'école madrasa. Et c'est quand je devais passer mon CP à l'école madrasa que j'ai réussi mon concours à la gare républicaine. C'est ce qui fait que j'ai décroché et je suis allé dans l'armée. Bon, musain, c'est vrai. Vous êtes informé, vous. J'ai été musain, c'est vrai. J'ai été 11 ans musain à Zangete. Et ce qui fait que actuellement, même quand je vous parle du social, je suis versé dans le social. C'est aussi ça, les rapports entre humains, mais c'est sur le plan de l'islam. Vous êtes à la retraite depuis 2017, ça ne date pas. Dites-nous, quel regard jetez-vous sur la musique burkinabé dans l'ensemble aujourd'hui? Bon, aujourd'hui ça va, c'est pas comme à notre temps. Hein. Il y a du matériel, il y a la facilité d'enregistrer, mais il n'y a pas que ça. Il faut du travail derrière. Actuellement, il y a bon nombre de jeunes qui font du bon boulot. Ils font du bon boulot, mais il reste toujours quelque chose à faire. Merci, Sidou Konda. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir tout sur le plaisir sur pour moi. Plateau. Mesdames et messieurs, voilà, c'était donc votre artiste, Sidou Konda d'Isaac Soba. Il était donc sur ce plateau pour la rubrique culture de ce samedi, suite du journal. Pour la page sport, cette fois, nous nous intéressons au gymnase, devenu monnaie courante dans la capitale burkinabé, des salles bien équipées pour vous permettre de vous maintenir en forme. Le sport dans les gymnases, Jira Somé et Abdoulaye Kabouré signent ce reportage. Moussa Ouédrago, dit Grand Khalil, est un haltérophile bien connu. Cet homme d'1m92 pour 118 kg a choisi de s'exercer quotidiennement dans ce gymnase. La commodité du lieu s'y prête. La pratique du sport dans ces enceintes closes suscite de l'engouement. Moi, j'ai fait la musculature. Voilà. Chaque jour, si j'ai le temps seulement. Bon, comment ici commencer à rentrer dans la musculature? Bon. C'est pas duré, mais c'est vers 2012-2011. Je n'ai jamais tombé maladie quand je suis rentré dans l'e-sport. Le maître des lieux, Alina Kourman, propose dans son gymnase des exercices de pédalage sur vélo, des appareils de musculation, des tapis roulants, entre autres. C'est le travail seulement. Surtout, bon, ça fait partie de la santé. Et bon, ici, bon, c'est la culture du corps et de l'esprit. Voilà, ça fait travailler aussi l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de muscles. Voilà, donc ça fait que bon, nous, on fait ça, c'est pour tout quoi. Voilà, pour la santé et pour nous aussi. Ici aussi, on renforce la cohésion sociale. Voilà pourquoi, depuis des années, cette salle-là, elle est là. Et voilà, ça fonctionne. Et puis voilà, les gens aiment la salle. Parce que quand tu es là, il y a l'ambiance, tu te sens à l'aise. N'importe qui peut se sentir comme chez lui ici. Voilà, et puis ici on est familial. Ce ne sont pas que les hommes qui viennent en ce lieu. L'autre moitié du ciel n'est pas en reste. Je fais de la corde à sauter, je fais du vélo, je fais des abdos aussi, quelques squats. Ça me fait du bien, au-delà du physique, c'est bien pour la santé aussi. Autre lieu, même réalité. Dans ce gymnase, hommes et dames sont là quotidiennement dans l'après-midi. La santé passe avant tout. Bon, je viens faire du sport, hein. Je viens pour essayer de travailler tout mon corps. En général, je fais du vélo. Je fais quelques abdos pour essayer de perdre aussi un peu au niveau du ventre. Et beaucoup de cardio pour faire travailler le cœur. Ça permet de prévenir les maladies et tout. Deux à trois fois quand j'ai le temps, mais deux fois minimum par semaine.
Je fais au moins 2 heures de temps à chaque séance. Mais c'est encourager tout le monde à venir faire du sport de façon simultanée, de façon naturelle. Venir au sport avant que d'autres choses nous obligent à venir faire du sport. Parce que le sport, c'est bien pour la santé. Ça maintient en forme et puis ça permet de garder aussi la ligne quelque part. On a mis en place cette salle-là pour pouvoir s'approcher aux gens de la Padoie et ceux aussi qui sont à côté de la Padoie, qui puissent trouver un cadre de bien-être. Voilà. Et bon, et les gens de troisième âge viennent, les enfants aussi viennent, les jeunes, tout le monde vient et ils gagnent leur compte. C'est pas gratuit, mais le prix est étudié à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Il y a journalier, séance, il y a une semaine, abonnement semaine, il y a abonnement 2 semaines et puis il y a le mois. Nous, on a fait ça pour ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne veulent pas aller dans les espaces libres, qu'ils viennent vers nous. Ici, ce qui me plaît, il y a un groupe de jeunes qui viennent vers nous. Au lieu de se trouver dans les débits de boissons, ils se trouvent dans les salles, ils transpirent bien et puis à coach, merci, on a demain. Vu l'importance de ces gymnases, les promoteurs de ces infrastructures souhaitent des exonérations sur les taxes d'importation de ces appareils. L'actualité internationale nous conduit en Angleterre. 27 morts et plus de 4300 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures au Royaume-Uni face au regain de la maladie à coronavirus. Londres renforce les mesures de restriction. Le rassemblement de plus de 6 personnes est interdit. Mais Boris Johnson espère éviter un confinement national. Suivons. 27 morts en 24 heures et plus de 4300 nouveaux cas de contamination. Au Royaume-Uni, Boris Johnson s'est résolu à parler de deuxième vague de coronavirus. Ces derniers jours, les restrictions se sont multipliées au niveau local en Angleterre, où les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits. Mais le Premier ministre espère encore éviter un confinement général. Il ne fait aucun doute, comme je le dis maintenant depuis des semaines, que nous pouvions nous attendre à une deuxième vague et nous en voyons arriver une, a-t-il déclaré. Nous la voyons en France, en Espagne, à travers l'Europe. Son arrivée dans ce pays était absolument inévitable. Je ne souhaite absolument pas instaurer un second confinement national. C'est la dernière chose que nous souhaitons tous. Je ne souhaite pas instaurer des restrictions plus importantes. L'Irlande a aussi durci les restrictions, le Premier ministre s'inquiétant de la situation à Dublin, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Dans la capitale, seuls les pubs et restaurants servant à manger à l'extérieur pourront rester ouverts et les rencontres à domicile sont limitées à 6 personnes et 2 foyers. C'était la notre version de l'actualité ce samedi. Merci de l'avoir suivi. À demain.